le tourteau vivant dans de l'eau bouillante. Alors le mieux, c'est de passer un petit peu au congélateur avant, comme ça, il est complètement endormi. Et salé. Éplucher les navets et les passer à la mandoline très finement. Par précaution, il en faut deux parce que c'est rare que les navets ne soient pas creux. Hein. Exactement. Un sur deux en général est un petit peu creux. Ouais. Mettre le tourteau à égoutter et le laisser tiédir. Mettre le miel d'acacia dans le bol du mixeur, le vinaigre de xérès, mixer et incorporer l'huile d'arachide en émulsionnant doucement. Portez l'eau à ébullition, plongez les chips de navet, les laisser pendant 10 secondes, les rafraîchir aussitôt et les égoutter soigneusement. Décortiquez le tourteau en séparant les gros morceaux des petits. Enduire le fond du plat de vinaigrette à l'aigre doux. Disposer les miettes et les pinces de tourteau. Napper de sauce. Envelopper l'ensemble de pétales de navet. Et napper à nouveau de sauce à l'aigre doux. Poivrer. Finir avec quelques râpures de noix de muscade et de quelques grains de fleurs de guérande. Tourteau et navet en aigre doux. Pour deux personnes, un tourteau, deux navets ronds, 4 cuillères à soupe de miel d'acacia, 5 cuillères à soupe de vinaigre de xérès, 2 décilitres d'huile d'arachide, une râpure de noix de muscade, du sel, de la fleur de sel et du poivre du moulin.